Voilà en direct, si vous nous rejoignez depuis la fête du livre à Talloire avec Jean-Marie Gouriot, l'organisateur. Nous sommes à l'abbaye de Talloire. Les cloches sonnent. On aura la conférence dans quelques secondes du président François Hollande qui est à ma droite, devant moi. Voilà. Jean-Marie en direct live Facebook. Ça va bien, et toi? Oui, ça se passe bien. Très bien, ben nous attendons le président, absolument, François Hollande, pour aller faire une conférence au chapiteau vert, très au bord bien. Du lac magnifique, après avoir fait la croisière et présidentielle hier soir, c'était génial. Ah, c'était super hier soir, j'imagine. Oui, il y avait tout le monde, c'est super sympa, très, très léger, ouais, très décontracté, très amusant et très chaleureux, très fraternel, c'était génial. Absolument. Le thème de la conférence, on la connaît exactement, le thème? Ah ben c'est sur son livre. Les sons du pouvoir. Bien sûr, c'est les sons du pouvoir, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe quand tu as le pouvoir, les rapports avec, voilà, les Français, la difficulté de vivre, d'être et sans changer, enfin avec la pression qu'il y a. Voilà, c'est ça. Et puis le pouvoir, effectivement, un peu solitaire aussi, j'imagine, hein, d'un président. Oui, c'est ce qu'on dit tout le temps. Ouais, moi, ça. Je veux bien le pouvoir, je me débrouillerai, j'amènerai des copains. Jean-Marie, vous avez échangé avec le président ce matin, là, vous l'avez reçu, c'est ça, hein? Oui, oui, donc je suis allé le chercher à l'hôtel, ouais, l'abbaye et tout, et donc je l'accompagne jusqu'à, voilà, jusqu'à la conférence, après avoir bu un petit café très gentiment avec lui. Voilà. En direct Facebook, Jean-Marie. Donc on va assister, nous, on ne va pas le déranger, évidemment, hein, puisqu'il est, oui, totalement, on va mettre un petit peu de recul. En tout cas, c'est une belle fête. On va rappeler, 8e édition, c'est ça? 9e édition. 9e. C'est qu'on avait démarré tout petit, mais toujours avec 21 auteurs et la même équipe. Et on finit toujours avec 21 auteurs, la même équipe et très grand. Absolument. On a gardé tous les gars du début. On a été fidèles, on a eu raison. C'est une belle histoire et puis un bel esprit surtout. Oui, mais c'est un peu la place du village. C'est un peu la place du village. La place du village, ça, et c'est... même dans la baie de Talloire, ouais, je continue à faire une place du village. Ça, c'est beau. Ben, écoutez, nous, on est là aujourd'hui pour voir un petit peu les auteurs, différents auteurs, prendre l'esprit de cette fête qu'on aime bien. C'est le vivre ensemble, et puis la France en a besoin du vivre ensemble. Oui, parce que, bon, il est aussi gentil d'être ici, parce qu'hier, il y a eu un attentat à Lyon quand même. Absolument. Donc tout ça est extrêmement compliqué à organiser, très, très désagréable à apprendre, et il faut continuer à avoir le sourire, et puis à avancer en faisant des sourires aux gens, malgré tous les dangers. Voilà. Et puis Jean-Marie, bah des ouvrages, beaucoup, beaucoup d'ouvrages. Et puis votre, bah aussi, vous êtes présent aussi aujourd'hui au salon, c'est ça? Oui, et je dois y aller parce que je vois que le président avance. Eh ben, allez, bonne journée, bonne fête encore. Et bravo, merci, la beaucoup. Fête du livre en direct, live Facebook, ici depuis Talloire. N'hésitez pas à venir ici. En quelques minutes commencera la conférence du président de la République, l'ancien, effectivement, François Hollande. Et ça va se passer sous la... Bien sûr, à l'abri, bah voilà, il tombe des gouttes de pluie, hein. C'est comme ça que ça se passe ce matin à Talloire. Mais il fait doux et puis là, le mauvais temps ne va pas durer. Normalement, ça va faire beau cet après-midi. Voilà, donc je poursuis toujours, eh bien écoutez, au bord du lac. Magnifique endroit, c'est magnifique ici. Hein. Un bel endroit. Voilà. Je ne vais pas déranger le président s'il était ici. Ici, on a évidemment, effectivement, les stands qui sont bien sûr à l'abri de la pluie. Et on a pas mal d'auteurs invités une fois de plus cette année. Avec... on a aperçu Amélie Nothomb. Je vais essayer de vous la présenter ici. Voilà. Ça se passe très calmement. Bon enfant. Voilà. Tiens. Amélie Nothomb et son chapeau. Évidemment, son chapeau direct live Facebook. Ici. Voilà, Amélie. Avec son chapeau habituel. Monsieur le Président, bonjour. On est en direct live Facebook, la place du village. Ouais. On peut vous demander votre impression ici? Bah, d'abord, c'est beau. Ouais. Ensuite, c'est humain. Et troisièmement, c'est culturel. Ben voilà. Vous connaissez un peu les pays de Savoie? Ah oui, je connais bien les pays de Savoie. Je connais Annecy, je connais Chambéry, je connais la montagne, je connais les lacs, mais je ne connaissais pas encore bien Talloire. Vous voyez, donc pour ça que j'ai écrit un livre, pour absolument être invité à Talloire. Les leçons du pouvoir, édition Stock, on le rappelle bien, et il y a beaucoup de leçons. Vous rentrez en conférence dans quelques minutes. Oui. Le thème principal, il n'y a pas de thème principal, c'est des questions-réponses après. Les questions, oui, les questions, sans doute sur le pouvoir, j'imagine. Bien. En tout cas, merci d'avoir répondu. Belle journée à vous. À bientôt. Merci, Monsieur le Président. Voilà. On va laisser passer le Président. L'ancien Président Hollande. C'est calme, regardez, dans le fond là-haut. Voilà. On va aller voir tout de suite le bord du lac pour vous montrer un peu le paysage en direct live Facebook. C'est toujours une belle journée, hein, ici, là. La fête du lac, on le dit bien, il y tient, Jean-Marie Gouriot, l'organisateur. Voilà. Donc, pendant que le président se rend à sa conférence en public, voilà, vous la connaissez, Amélie Nothomb, en direct, live Facebook, dans la place du village. Voilà.
Il y a beaucoup de monde hein, qui arrive déjà parce qu'il y a des gens à succès, évidemment, ici. D'autres auteurs qui vont arriver ensuite. Donc je vais poursuivre ma remontée là-haut. Je vais voir si le réseau passe bien. Voilà. Quelques gouttes d'eau qui tombent sur le lac. Ici Annecy, on rappelle bien, Talloire, la fête du livre en direct depuis cette grande journée. Ça dure deux jours en fait, hein, demain aussi, n'hésitez pas. Et puis on va essayer de remonter la route principale pour se rendre sous le chapiteau de conférence, la tournette dans les nuages. Enfin non, un petit quelques gouttes d'eau et on passe à hauteur ici de l'auberge du Père Bise à droite. Voilà. Eh ben tiens, un petit coucou à Jean Sulpice qui doit être bien sûr au fourneau. Hein. Il y a beaucoup de monde, j'imagine, ici aujourd'hui. Voilà. Donc on va remonter tout de suite, aller au chapiteau, voir un petit peu le monde qui est présent, vous allez voir. Et puis on va assister au début de la conférence de François Hollande. Puis après on ira retrouver, tourner quelques auteurs. Il y en a beaucoup, hein. Je donnerai la liste tout à l'heure. La fête du livre, 25 et 26 mai, Talloire, lac d'Annecy, dédicace, rencontre, débat, atelier jeunesse. Là, les leçons du pouvoir, c'est le thème de la conférence. J'espère que le réseau est bon parce que ça passe un petit peu chaloupé ici. Puis il y a l'humidité, à vrai dire. Il y a beaucoup d'humidité. Voilà, c'est passé. On va arriver sur le chapiteau. Après. Voilà, super. Hop là. Voilà. Passer par ici. Pardon. Le tour, pas de souci. Voilà. Sécurité. Bien sûr, prioritaire ici. Hein. Je rappelle que c'est un président. Pas de souci, Marie. Voilà. Le chapiteau, ici. Blindé. Hein. Beau succès. Toujours le même succès. Hein, le livre, François, c'est beaucoup vendu. Et puis. Il vient faire le tour de la France, à droite à gauche. Il est de passage ici. Il nous a dit qu'il connaissait la montagne. Il venait assez régulièrement. Ici, voilà. L'entrée du chapiteau. Tout plein. 9e fête du livre, on nous dit. En direct, ici. Voilà, le filtrage en direct. Facebook Live. Bonjour. Hop, merci. Ça passe. Allez, l'auberge du Père Bise. N'oubliez pas que c'est une belle adresse aussi. Hein. L'abbaye également. Et le cottage. Voilà. Enfin, une vue générale. Pas déranger les gens. Voilà. Ça passe comme ça en direct. J'ai pris 10 feuillets de notes. Ouais, donc, voilà. Ça dit tout. Hein. On va passer sur le côté. Alors, au tout début, il y a une introduction qui me plaît beaucoup, monsieur le président. Mais.
C'était